Lancement officiel de la saison 2020. Ça, c'est le cabanon. Il a passé l'hiver comme cette serre-là. Pas mal bien, en fait. Celle-là, elle n'a pas coûté cher. Celle-là a coûté juste à peu près 800 watts. J'avais isolé de même. J'avais même pas deux layers ventilés. C'était juste comme ça. Deux par trois, deux couches. Puis ça a fait la job. Ouais, il y a eu un petit peu de condensation. À cette heure, c'était un petit peu plus soufflé. J'ai réussi à la sortir. Mais il y a eu des temps, pas mal, presque tout le temps, j'ai pas ventilé. Manquait d'électricité, ici ça a pogné des gels. 5 bonnes sécheresses, mais il est encore là. Lui, mes drippers sont là. Je les ai, j'ai jamais installé à pompe encore. Mais ils ont presque un an, là. Puis on les arrose comme ça, au gourde à gourde. Simplement comme ça, toute la gang, au besoin. Eux autres, ils boivent presque à tous les jours, ou à tous les jours. Mais eux autres, ils boivent pas mal moins, à gourde comme ça. Ça, c'est le citronnier. Lui aussi a pogné une sécheresse, fait, il va aller mieux. Du cayenne encore qui reste. Notre melon d'eau, lui avec, il y a presque un an. Il y en a un autre petit bébé ici. Là, il est sur traitement de phalacis, mais c'est ça. En gros, c'est au gourde à gourde ici. Puis le doc, finalement, lui, il va passer en U tout le tour. Il n'est pas fini pour l'instant, je suis là-dessus, là. Puis le changement majeur dans la serre, c'est la rallonge. Donc, c'est comme dans le fond, un petit peu, à peu près la même longueur, un petit peu plus longue, peut-être 3 pieds de plus, mais 6 pieds de creux. Cette fois-ci, c'est pas JF qui l'a creusé à la main. Les plaques aussi sont arrosées ici à la gourde, mais là, j'ai un kit de dripper qui s'en vient. Ça, c'est le trou. Les docks sont pas finis, j'ai juste un bord de fort. L'échelle. Le système aéro a eu quelques modifications mises à jour pendant l'hiver. Principalement, la grosse table de 16 pieds, elle a été démantelée ça, pour privilégier un design comme ça. Il rentre dans le sol pour une géothermie. Là, il fait 20,4 degrés ici. Puis en haut, il fait pas mal plus chaud. J'ai fait le chauffant aussi en cas d'urgence, mais ils sont jamais en run de ce temps-ci. Ça, c'est la soupe. C'est les Lemon Drop qui avaient fini leur saison dans les barils. Ben, qui avaient fait l'hiver dans les barils. Ils sont rendus à leur troisième saison, eux autres. Ah ouais, troisième récolte en un an. Puis ils sont magnifiques, là. Ils ont vraiment aimé leur transfert en coco, puis ils vont continuer. Ça, c'est les nouveaux bébés. Puis ça, c'est les fouettes d'un an. Ils ont mangé une drop. Le baril avait tombé quand j'avais tout reconstruit ça. Les racines avaient arraché, mais là, ils ont repris. Des petites grappes. C'est un petit peu une perte de temps, là, mais en attendant que les autres soient prêtes, eux autres, ils vont m'en donner d'autres. Fait que voilà, tout le monde est content. On va faire une belle saison de tomates aéroponiques ici, puis de fraises coco. C'est ça le grand objectif de la saison. Merci!